Si Moses Safkab, tu mets un comité, retired household committee, de Moses Safkab, il faut dire que les autres qui viennent s'assurer. J'étais très bouleversé de voir l'état de ces chevaux-là et que c'est évident qu'ils n'ont pas été proprement faits et que les chevaux sont laissés à eux-mêmes comme ça et que c'est criminel. Je crois qu'il y a une loi contre ça. J'espère que les autorités vont agir. Étant donné qu'il y avait ce retired committee-là, ben, on prenait de renseignements. C'est surtout, je dois rendre hommage à Jean-Marc Alouax. C'est lui qui me disait qu'il faut envoyer un tel avec un tel. Parce qu'il s'occupe bien de chez vous. Mais en principe, après, on a eu quelques amis aussi qui sont de vrais hausse-lavelles et que, qui gardaient ces chevaux-là. Parfois, quand les chevaux étaient très mal en point, on ne pouvait pas faire à ce moment-là. Il fallait. There was only one choice, euthanize the horses humainement.